L'Europe montre l'exemple. Il s'agissait en effet pour les Européens de savoir s'ils si allaient s'imposer à eux-mêmes les règles qu'ils demandent aux autres de respecter, dans le cadre d'une lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi d'une reconversion de nos industries. C'est un bon accord. Comme tout bon accord, c'est un compromis. Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Et je veux remercier tous les pays qui y ont contribué, c'est-à-dire les 28, car ils n'étaient pas dans la même situation, c'était maintenant que l'Europe devait aboutir non pas à un accord partiel, non pas à un accord intérimaire, non pas à un accord provisoire, mais à un accord conclusif, définitif, sur la période qui va aller jusqu'en 2030. Je veux dire en conclusion que je suis très satisfaite. Vous savez qu'il y a eu de très longs débats, et vous savez que pour certains pays, cela a été plus difficile que pour d'autres.